Non. Précisément, Peut-être qu'il est qu'il là. y aura beaucoup de choses, Peut-être qu'il est beaucoup là. de choses à dire, beaucoup de Peut-être. choses à voir. Peut-être. Alors, le Treehouse, Bonjour, Monsieur c'est quand Freeman. même ça qui fait que on est ensemble. C'est vrai que Nintendo, quand Et là, même, on et vous allez part. me dire un petit peu Oui, plus tard vas-y, ce que vas-y, vous en vas-y, pensez, vas-y. mais particulièrement mutique hein, ces derniers temps. Et d'ailleurs, Voilà. petit coucou Par contre, je suis un peu déçu sur parce que je pensais que c'était Twitter la qu'à semaine Roju, mais il n'y a prochaine, que Julien Chiez, en Nintendo fait. Ulive. Il y a Stadia FR, alors c'est pas le compte officiel, j'imagine que c'est le compte des fans qui disent au Julien, Exactement. feras-tu un live pour le Stadia Connect du 14 juillet? Eh bien normalement, oui. Et on va pas se mentir, j'espère vraiment que ce sera mieux que d'habitude. Parce que alors les derniers Stadia Connect, c'était quand même pas terrible. Hein. Je pense que vous parlez pour les Voilà, fans, vous faites partie de oui. la communauté. Moi je trouve que le service en lui-même, il est de qualité, mais par C'est contre, incroyable. l'offre Non, mais par contre, il faut commerciale, qu'on elle explique doit ce changer. Il doit y qu'on avoir plus de jeux, il doit y avoir pense des de meilleurs Julien jeux. Chiez, je Ça doit pense. accélérer vraiment si Google veut se laisser toutes les chances. Lucas Bernard, on est parti avec Julien pour la prise de parole de Nintendo. Bis d'Auvergne, et Non, bien mais bon DKR, dis-nous ce coucou que à tu toi. penses N'hésitez pas à de remonter un Julien petit peu Chiez. là. Comment est-ce que vous êtes en ce moment? C'est quoi votre setup pour suivre l'émission en ma compagnie? Link Lou. Link Lou, qui devient membre soutien. Ça me rappelle tant de souvenirs de Ah, mais j'ai dû couper le micro Twilight parce que ça fait trop de Princess. bruit. J'ai adoré Ah, Twilight c'est Princess. ça. C'est probablement Dommage. Pas d'ailleurs l'un de grand-chose, mes en Zelda fait. préférés. Je vous le dis Il est tout de dans le suite. train. DKR est dans le train. Il peut pas trop parler. Je pense qu'il est pas avec Caro Louis parce qu'elle est Andy, partie en d'après week-end, c'est tout. Chantae, que peut nous annoncer Westworld Tout avec ce Treehouse? simplement. Bah C'est écoute, ça. on sera Ça se peut-être comprend. d'ici quelques temps Bah, en Mexique. Je vais chacun, acheter la ils sont manette pas pour le toujours podcast, ensemble. Hein. Ils peuvent mais aussi être j'attends de payer mon indépendants, faire abonnement des pour y choses aller. Pour y de aller, leur j'imagine que côté, tu parles de chacun. Stadia. Je comprends. C'est pas tant C'est que c'est des logique. mauvais jeux. Il y a du Red Logique. Dead et compagnie qui sont des jeux extraordinaires, mais Bon, alors, ils moi, sont vas-y, déjà sur Friba, dis-nous ce que tu Vita, penses de Julien Chiez, toi. Plus-value. Ils Ce sont que je souvent un pense de petit peu moins Julien beaux Chiez, quand même, parce qu'il y a c'est de la compression. Ça marche très bien, mais il y a quand même de la compression. un journaliste. C'est un bon communicant. C'est un bon, tu vois, C'est un Cyberpunk communicant qui fait son 2077, il va beurre arriver, mais sur le après grand les versions public. console. Donc bon, Voilà, c'est un faut vraiment s'en méfier technico-commercial. de la part C'est un de Google. technico-commercial. Loïc Boitier, Voilà. question pour toi, Julien. À quel moment, avec Carole, allez-vous prendre un peu de vacances bien méritées Ah. avant la tempête de fin d'année? Je sais pas si on entend ma Je voix te sur jure que YouTube, tu mais fais c'est bien de pas poser très la grave. question parce On que entend on le se la pose Gooba et tout, c'est le quasiment tous principal. les deux jours et Oui, voilà, c'est en ça. fait c'est super Donc cool. là, il y a Julien On va Chiez prendre qui des parle de vacances avec les amis. sa vie privée Mais avec je peux te Carole. dire, mais entre nous, Donc je pense que ça, c'est hors sujet, mais je pense en qu'on fait, peut je pense que les discuter gens tranquillement de adorent Gooba leur et tout et relation. bon et Donc de mal. ça, Mais c'est. oui, c'est vrai que Gooba, si elle marche, Bah oui, c'est un c'est bon ça jeu qui fait entre le les deux. succès. Il y a bébé, C'est ça qui fait le succès c'est bébé, aussi. ça prend pas 4 secondes par jour. Alors, Gooba, tu peux pousser un petit peu l'esprit je ne là. cache pas que je pense que On Julien va, Chiez s'est mis avec Lucas, Carole pour avoir du suivre succès. jusqu'au à la grosse conférence Xbox Series X, parce qu'on a vraiment envie de voir un petit peu Fort ce qu'il va y probable. avoir. C'est fort probable parce Entre que le temps, mec pense qu'à après, ça, on va prendre avoir du des jeux succès et des pour avoir vacances. du pouvoir et de Vous ne l'argent. m'entendez pas, hein? On vous manquera peut-être Il un petit paraît qu'il. peu. Vous Est-ce nous qu'il aurait manquerez été aussi, mais reconnu on a s'il n'était pas besoin, comme avec tout un chacun, de Carole Quintana? Ah oui, Sucer je pour pense revenir qu'il plus est. fort Il derrière. reste connu, mais Voilà, donc on vous fera peut-être des tout, petites vidéos comme ça, de moins, part et tous d'autre, les paramètres, qu'on il aura utilise tous les enregistrés paramètres en pour amont, optimiser son mais après succès. on Voilà, c'est ça. coupera. Et d'ailleurs, je peux vous d'ores et déjà C'est dire une bien, chose aussi, c'est qu'il il a y un a beaucoup objectif, il a un réfléchi projet et dans on sa essaye vie. de vraiment faire en sorte, vous savez, je pense que c'est une Et réflexion il y a accès. que beaucoup de gens peuvent Et c'est avoir ça, et il y aussi. arrive. C'est le Bravo. rapport aux Il y a quand réseaux même un projet qui n'a sociaux, le toujours pas rapport réussi, c'est un au projet temps de qu'on jeux passe sur vidéo les écrans, etc. Et nous, avec qu'il un voudrait bébé, faire c'est vraiment une attirance qu'on a de plus en plus, avec les parce qu'on se dit, conseils mais de comment est-ce Monsieur qu'on peut être Hideo Kojima. un bon Ah exemple ouais, d'accord. quand bébé Qu'est-ce va qu'il veut faire grandir, comme, si on est comme à ce jeu, moment-là connecté, un jeu de gestion et qu'on de prend des con, en décisions? On en fait, parlera très prochainement, mais par exemple, il y a certains réseaux à sociaux, m'adouer pour Twitter, gagner de l'argent, qui non, je très sais pas. clairement, sur lesquels on va continuer à Une diffuser espèce de nos émissions, biographie, etc. une Mais par contre, autobiographie. et je pense que vous comprendrez aisément, on Je ne sais va pas pas. répondre aussi fréquemment, etc. On Hein. regardera plus trop les notifs, etc. Et on va se concentrer sur Alors déjà, il a des YouTube, lunettes. sur Peut-être que ça fait son Instagram. succès, les Voilà. lunettes, Voilà. Link la Lou, coiffure en merci. pyramide, Et Boy non, mais moi, Rod, je crois membre que tout soutien est de la chaîne pensé. YouTube. Tout. Merci à toi. Le détail, Mike même la Essayant, chemise évidemment. avec La chaîne aussi, le... qui n'a pas de Voilà. colle. N'hésitez pas à aller Voilà, la rejoindre la chemise, pas communauté de colle pour et un bouton. récupérer Juste un votre bouton. vidéo en Non, deux amont. boutons. Mais Deux je pense que boutons vous déboutonnés. exprimez là sur les réseaux sociaux. Je pense Pas que trois. Pas un. Deux. Et la barbe, C'est c'est quelle pensé. idée, la Comprendre un barbe? petit peu. C'est Voilà. Barbe vu évidemment comme un taillée, clipper en face, c'est bien calculée, bien normal. sûr. C'est beaucoup de Maquillage. temps investi, c'est Je souvent pense qu'il garde un peu le bouc un parce peu que ça, toxique, c'est hein, tendance, je faut pense. pas se mentir. Donc, bah, on a envie de prendre un Maquillage petit peu aussi un sur pas de le côté front, là-dessus. Et donc, bah, certainement. Donc, on a un peu de temps apparemment, face à certains disent nous qu'il cache à sa faire des lives. calvitie.
Bon. Tous les week-ends maintenant, je vous fais une FAQ sur laquelle je réponds à vos interrogations, etc. Une expo de jeux vidéo. Bah voilà, le lien, il va pas se fondre du tout, mais on va juste le mettre sur des endroits plus qu'un autre. Voilà, tout est pensé, tout est pensé, voilà. On communiquera, mais on va moins être dans la discussion. Looney Tunes, Tcho Julien, un petit coucou de Suisse. Eh bien, coucou à toi. Ah oui, Jonathan Stark, un nouveau donc, Mario Sunshine, ce serait le rêve. Alors un nouveau donc là, normalement, c'est un Nintendo Direct. Donc il faut peut-être qu'on peut se permettre d'essayer. Est-ce qu'on peut parier sur des jeux? Voilà. Normalement, il y a donc le trailer, le 12e trailer de Paper Mario, Origami King. Donc voilà. Ça, on va comprendre que le jeu sort ce mois-ci. Et donc une annonce surprise. Alors maintenant, il faut parier sur l'annonce surprise. Mais vous trouvez pas que Nintendo un pré-show de 1 heure pour que pendant pour cette période, ouais, voilà. Les dons. Fait partie des voilà, exactement. Les subs et les dons. La chose de manière c'est très calculé, très, effectivement. Très donnez des subs sur ma chaîne, s'il vous plaît. Et ça aussi, c'est calculé hein, de la part de Julien Chiez. Il a calculé le temps exact du pré-show pour que les gens, à la fois, ne soient pas trop emmerdés et qu'ils restent, quoi. Ils restent avant que le show commence. Bien sûr. Comme ça. C'est sûr que c'est important. Ce qu'il faut, voilà, il faut que ce soit pas trop long pour que les gens partent pas. Voilà. Et pas trop court pour que les gens donnent de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Bien ce que ça va donner. Ça aussi, ça a été calculé. À mon avis, il a fait une statistique. Dit, salut Julien, merci pour c'est un show cacao ou pas? C'est un show ananas. Écoute, d'accord. Merci en tout cas moi, je parie que c'est un Metroid. Alors, DKR parie pour un Metroid sur l'annonce surprise. Moi, allez, je vais faire le fou. Donc, si Sony répond à la conférence de Microsoft au moins, deux fois, ça commence. Verra, c'est parti. Je peux pas vous dire, moi, je fais le fou. Moi, je fais le fou. Je dis un Zelda. Je dis Breath of the Wild 2 fin d'année. On connaît pas la date. Fou, je dirais. Je veux dire, à un moment, il faut bien qu'on allez, pose des vacances. Fois, quand même. Un don hein de 50 euros. Faut partir. Il y a quand même la famille aussi. Moi, je fais le fou. Je dis un don de 200. Bébé, ça fait longtemps. Il y a eu le confinement. Pas sûr, parce que là, c'est pas vraiment un grand live. Ouais, mais moi j'y crois. Attends, j'ai le droit de faire mon pari. Aisément. Mais après, vous inquiétez pas, hein, on va pas partir pendant 6 mois. Hein. Voilà. Parce que c'est sur le post-show, effectivement. Il aura peut-être 200 euros sur le Zelda, voilà. Je pense. Midian qui écoute sous la douche. Eh bah écoute, bonne douche. Alors je sais pas si t'es en train d'en prendre une là maintenant ou si généralement le matin tu les écoutes. Mais. Le post-show, ouais, va être en live, je pense. Je sais pas. Viviane, production qui dit Elden. Ah oui, t'as raison, il fait un débriefing en vidéo seulement. Quand il va y avoir des grosses infos sur Elden Ring, crois-moi, ouais. J'en parlerai. Et est-ce qu'il y a un réchaud spécial pour l'instant, il n'y a rien de majeur. Il y a un réchaud ou pas lors de la conférence Xbox, chaud. Il y aura quelque chose. Chaud cacao. Il avait été annoncé lors un réchaud de pour le cacao. Et chaud ananas ou pas? Nicolas Perret, je sais pas. Tu as vu que ce qu'on a investi 200 non. millions de dollars en Nicolas Perret, non, je crois plus pas. Comme avant tu suivais. Non. Tu suivais la chaîne. Non. Oui, j'en ai parlé. Absolument pas. Et c'est pas 200, c'est 250 millions. Il y a une news sur la chaîne, hein, si vous voulez. Et aller il la dit voir. Quoi là N'hésitez pas. Bah, il dit franchement, c'est du Julien Chiez, quoi. C'est parler pour ne rien dire, brasser du vent. C'est tout regarder. Mais ici, en l'occurrence, le vent, voilà. Ouais, ah, il s'est brassé le vent parce que ici, oui, on a l'impression d'apprendre des choses, mais je pense que 5 minutes, si on 5 minutes après la vidéo, tu diras, mais en fait, il n'y avait rien quoi. C'est pas le trio, ça. C'est qu'apparemment, il y aurait. On va mettre des pincettes. Un Nintendo Direct. Ouais, et franchement, c'est du vide, ouais. Peut-être. Parce que là, il parle. Là. Actuellement, il parle de sa chaîne, en fait. Globalement, ils sont bien prêts encore. Il parle de sa chaîne. D'autres studios, d'autres événements, etc. Donc, ça va être intéressant. Et puis là, j'analyse un petit peu donc, les 250 millions mis sur la table. Pour. Ouais, c'est ça. Il a bien préparé son truc. Bah, on peut pas nier qu'il prépare. Et vous savez quoi? Ce que je vais faire en même temps. On est en live. On fait. Oui, c'est Golden Snake TV qui dit salut, Mister Julien. J'adore ce que tu fais. C'est bien possible. Des vacances bien méritées afin de nous revenir tout frais et bien en forme. Eh ben, moment merci clé. Merci beaucoup. Ça arrive et du coup, en fait, toutes les vidéos qu'on va faire un petit peu en avance, elles seront toutes ça tout seul, en avant-première pour les membres soutien, donc plusieurs jours à l'avance. C'est, bah, je pense, ouais, je pense qu'il fait ça tout seul. Il est assez fort, voilà. Je pense. Quand ça va être c'est non, non, je pense qu'il a dit couillot. Non, il a dit couillot. Il a des prestats, tu penses? Des grouillots. Des grouillots. Qu'il y déclare même pas, quoi. Maintenant, c'est officiel.
C'est trop chaud de faire tout ça. Au black, ouais. 6 images et info. Voilà. Alors, maintenant, de quoi va-t-il parler? Prochaine question. Non, et plus largement, hein. Depuis le début de l'année. Ah oui. Maintenant, c'est une vitesse. Ah oui, mais c'est incroyable. Là, il met une vidéo à lui pendant la vidéo. Alors là, c'est vraiment de l'inception de vidéo, là. On va le tweeter aussi. Ah oui, là, c'est dingue parce que là, il met une vidéo de lui-même. Donc, on entend Julien Chiez. Et Julien Chiez, il commente Julien Chiez. Enfin, là, ça devient complètement fou. C'est. Far Cry 6. Ouais, mais au niveau de l'intérêt, c'est 90%. Quoi. Ça annonce énorme parce que franchement. Non, mais ça vit. C'est ça qui est important, c'est que ce soit fluide et que ça vit. Même si finalement c'est une coquille vide, mais tu te le dis après, mais dans l'instant, t'as l'impression d'être heureux, quoi. De passer un moment important. Il a deux membres de soutien. Un membre soutien, c'est quoi? C'est un abonnement payant, non? C'est un sub. Oui, c'est un abonnement payant, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc plus il y a de subs, comment... plus il y a d'abonnés, il y a plus d'argent, il y a de l'argent. L'acteur. Exactement. Far Cry, donc mieux vaut avoir un sub à me rappeler, c'est Esposito, je crois, c'est Giancarlo. Alors, j'aimerais faire remarquer quand même que sur la vidéo, il a mis comme jeu, il a listé Avengers, Marvel's Avengers. Tac. Pourquoi? Je ne sais pas. Certainement, ça... Ouais, il optime. Il optime, je pense. Date de sortie, on va regarder les mots-clés. Ouais. Boum. Voilà. Marvel's Avengers 2020. Bon, pourquoi alors qu'on est sur un Nintendo Direct? Nous sommes une toute petite entreprise. Et du coup, bah, y a pas de CM, on n'a pas de CM, etc. On fait tout seul, donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Julien Chiez. Tac. Voilà, je vire tout ça et c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Béanousme, coucou! Est-ce que tu penses que l'Ubisoft Forward ne devrait pas être annulé vu tous les leaks qu'il y a chaque année? Plus aucune surprise. Et DKR, elle est toujours là? Ah, c'est vrai que du côté de Ubisoft... Et il écoute. Mais il peut pas trop parler. Ouais. Bah oui, vous allez entendre le bruit du train. Ils arrivent toujours à ménager quand même au moins une petite surprise. Et puis, il y a les gameplays. Voilà, Far Cry, ça aurait été une belle surprise. Bon, à la fois, ça avait commencé à fuiter de plus en plus. Mais maintenant, on veut voir le jeu. À quoi il ressemble. Dorian Nicoletti, qui devient membre soutien. Merci. À toi. Ainsi que Nec H. Ça, c'est une étude commerciale qu'il a déjà faite. Une étude économique. Black Gamer 974. Voilà, c'est ça. Parce que les gens partagent ses vidéos, donc ça fait de la pub et les gens viennent le voir ensuite. Comment le fan art pour la jaquette de Cyberpunk de Vaisseau? Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais. Tu pensais que la direction artistique des jaquettes PS5 allait être plus comme Cyberpunk? J'ai envie de te dire que je vois pas trop le rapport quand même. Donc là, ça parle de Cyberpunk, donc rien à voir avec Nintendo, hein, évidemment. De la PS4. Depuis le début du live, on n'a pas trop parlé de Nintendo. Blanc, hein. Parce que la console désormais est blanche. Non, mais il y a écrit Nintendo derrière sa tête. Mais il y a des petites subtilités. Ça suffit, oui, voilà, effectivement. Dans une vidéo que je vous ai fait hier. Parce qu'il a parlé de Far Cry. À mon avis, le Only on PlayStation qui a disparu. Et Cyberpunk. N'est pas remplacé juste par le studio, par PlayStation Studio. C'est encore autre chose, ça. Et j'ai quand même l'impression qu'avec le deal qu'on vient de voir, là, les 250 millions apportés à Epic, vous imaginez les jeux PS5 qui pourraient arriver un petit peu plus tard sur l'Epic Game Store en exclusivité? Comme ça, ils se mettraient de l'argent dans la poche, puis de la reprendraient, puis re dans la poche, etc. Ouais, à suivre. Michael Madeira, qui devient membre soutien. Bienvenue. Je ne sais et pas. Merci à toi. Nicolas Bobille, hello Julien, merci pour les clins d'œil liés à The Last of Us Partout. C'est mon GOTY 2020 à ce jour. Bise et prenez bien soin de vous. Baf. Moi, je respecte tous les avis, etc. Je note quand même souvent que les gens qui l'ont pas aimé, ils en font des tonnes et des tonnes. Et là, on va pouvoir dire que ceux qui ont aimé en font des tonnes aussi. Oui, il y a Marvel. Je suis pas si sûr. Je trouve que les jeux quand ils ont aimé, ils ont été touchés. C'est de l'optime, c'est de l'optime. Moi, j'en fais ça n'a aucun rapport, je ne comprends pas. Sur le jeu, je trouve pas que le jeu soit oui, c'est ça. Mais sur l'histoire. Je ne comprends pas. Profondément, mais c'est pensé ça, il l'a pas fait, c'est pas un bug hein. Moi, je trouve c'est pas une erreur, c'est pensé. La conclusion sont incroyables. Mais incroyables parce qu'en fait, elles dépassent le cadre du simple jeu vidéo pour aller toucher et nous apprendre des choses. On va dire. Je pense pas. Si, regarde. C'est pour moi un jeu profondément humaniste. Attends. Et moi, c'est un jeu qui résonne encore aujourd'hui en moi.
qui demande Ubisoft, c'est Ubisoft à 22 à 20h. M'a apporté à 21h, vraiment. Parce que Ubisoft, ouais. En fait, il apprend à véritablement percevoir ce que sont les billets. Ah, Carole Quinten. Ah, d'accord. On a parlé de Far Et comment on peut les contourner. Du coup, c'est normal que voilà. J'ai un chien en Fab, qui a pris d'accord. Oh là là, c'est compliqué leur histoire. Merci, Fab. Moi, je comprends pas très bien. Du coup, à toute la communauté canadienne, je sais que on vous êtes nombreux. Que Carole je sais que vous êtes DLC très nombreux. Et ça fait plaisir. Donc, merci à vous. Bah, en fait, ils nous expliquent qu'ils se complètent, mais j'ai l'impression qu'en fait, Julien Chiez a quand même la main. J'espère que j'ai bien prononcé dans tout ça. Tu deviens membre soutien. Et toi aussi, eh bien, tu peux aller c'est voir une extension. Tes vidéos en avant-première. Lou R, bienvenue en tant que membre soutien. Ça fait plaisir. Donc là, il parle des membres soutien, donc c'est pas super intéressant. Je suis pas d'accord avec vous, c'est plutôt une extension Deluxe. Bien. Ah oui, c'est quand même du voilà. Deluxe, hein. Oui, oui, on est d'accord. Ouais. Pour ceux qui bah, ouais, c'est une bonne extension. On va faire comment ? On va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Voilà, j'ai lancé mon site internet. Alors c'est très modeste, hein, évidemment. Ça donc, s'appelle julienchiez.com, là au moins les choses films, sont très très claires. Non, pas... Et voilà, vous avez... Alors, non, ça, c'est un jeu de bobo vegan, un, oui. C'est un joueur hein, qui a écrit écolo. Un long article, etc. Gauchiste. La parole... à des gens comme vous, etc., à des créateurs. LGBTQ+. Ce week-end ou en début de semaine prochaine, vous allez avoir un très très avec gros dossier arc-en-ciel, d'un j'imagine. Créateur, vraiment d'un développeur. Tout à fait. Extrêmement intéressant. Bah là, en l'occurrence, regardez, c'est Romain Passanante. Mais il y en a d'autres. Hein. Regardez, dans les onglets, par exemple, ici, vous allez dans Article Club JV. Vous avez un jeu vidéo, doit-il être fun ? C'est une super interrogation, je trouve. Bah voilà. Après, c'est un jeu qui dure une heure et demie, quoi. Hein, faut... Il y a vraiment des articles écrits, comme sur un jeu. J'ai fait quoi ? J'ai fait un jeu qui s'appelle Gone, assez long, d'ailleurs, chose. Sur lesquels c'est des points de vue. Je suis pas forcément Oula, d'accord Rain, sur tout, etc., mais je donne la parole. Ah ouais, ça parle de Heavy Rain, là. Jidan. Et alors, pour ceux qui demandent comment est-ce qu'on fait, pour pouvoir peut-être... Exactement. Du Dalibour put. C'est très simple, il faut aller dans la zone contact. Et alors, attention. Attention. Bon, je crois que il faut pas juste me dire « Ah, j'aimerais parler de si, est-ce que tu veux bien, etc. » Non. Il faut impérativement, comme c'est noté, hein, l'article doit déjà être intégralement rédigé lors de l'envoi. Vous devez m'envoyer votre article en entier. Pourquoi ? Bah parce que comme ça, je le lis et je le valide. Mais il ne regarde pas Psyodélique. Il regarde Nota Bene. Des KR, regarde Nota Bene. Donc, ouais, j'aime bien Nota Bene. Ouais. Vous devez m'envoyer l'intégralité de votre article. Ça doit évidemment être j'en ai trouvé un nouveau qui parle d'histoire. Hero.com, il est bien. Et puis regardez, il y a plein d'articles, etc. Vous pouvez passer en blanc. Ou en noir, voilà. Et là, il est en train de nous montrer qu'il y a un site internet qui peut passer de blanc au noir en fond d'écran. Mais à quoi ça sert ? Et comme ça, c'est une autre manière de découvrir. Ah oui, t'as raison, oui. D'accord. C'est son site. Pas vu, que vous aviez manqué, etc. Donc, ça fait ressortir aussi des choses que j'avais pu faire par le passé et que peut-être vous qui suivez la chaîne de peut-être un petit peu moins longtemps, vous n'aviez pas vu passer. Et ben il y a l'ami Benzaï Live, bien sûr, qui est là, je confirme, Heavy Rain est pas fun. Eh bien, très bien. Eh bien, moi, je confirme que j'ai adoré Heavy Rain, et moi, par exemple, je suis totalement en phase avec l'article qui dit que est-ce que le jeu vidéo doit obligatoirement être fun, à mes yeux. Moi, j'aime bien. Globalement, j'aime bien. Le but du jeu, justement. Et c'est d'ailleurs pour ah, c'est pas vraiment les mêmes personnes. Le jeu vidéo est, à mon sens, un mot... trop vieux, qu'il faudrait impérativement et rapidement changer. Mais c'est qui tu aimes bien, quoi, dans les testeurs, c'est fini, bien quoi. Sûr. Un petit bisou, toc, voilà. Et parce qu'à l'époque, il y avait quoi ? Il y avait Steve. Steve, c'était Louis, bien. Mon papa, hein, qui est dans live et qui, du coup, a fait en sorte que je te fasse ce petit coucou. Et bien, profitez bien de l'émission, en tout cas, tous ensemble. Ouais, pour moi, un jeu vidéo, enfin, le jeu vidéo, c'est comme... Ah, Edouard, ouais, compteur. Il faut pas le cantonner. C'est comme si on disait, le cinéma, ça doit que être des films d'auteur. Un peu chiant. Bah non. Ça doit non, mais en fait, Edouard, j'ai un problème avec son concept de vidéo. Ça doit que être des... il veut raconter des histoires fausses pour parler de jeux. Le jeu vidéo, ça doit pas être... Je sais pas, je trouve pas ça extraordinaire, en fait. C'est vrai qu'en termes de concept, c'est pas top. Pas de problème. Mais il faut aussi... des jeux qui vont aller chercher d'autres choses. Non, ça, à mon avis, que le média va grandir, va s'épanouir. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Ça, je trouve que d'ailleurs, aujourd'hui, le jeu vidéo... Donc là, le Nintendo Direct, ça va être un vrai carreau jus, certainement. Tant mieux, j'applaudis, moi, dès demain. C'est mon avis. Il y aura fusion, je pense. Benoub, toujours présent depuis, je pense. Benoub, dis-moi, mais
Est-ce que tu ah, on a eu un... premier live. Un don à 20 dollars. Voilà. J'ai l'impression. Je crois que oui. 20 dollars canadiens. Moi, je crois que oui. Et je 20 dollars canadiens, je t'en exact. Infiniment. Donc, je sais pas trop ce que ça fait, ça. Que... Le dollar canadien, pas, c'est quoi Instagrammé, ma foi. Donc, DKR, je suis sûr, il sait ça. Pas, le dollar canadien. Partager. Un dollar canadien. Ça fait 0,7 US. Oh là là, ce DKR, cette culture. 0,8. Bénouble tueur. Bah moi pour l'instant j'ai 0,65 euros pour un dollar canadien. Donc premier... après, attends, je vais mettre les dollars. Il a depuis le premier jour de la vie d'avant. Et franchement, vous savez, dans la vie, il y a des gens qu'on ne connaît pas et qu'on croise comme ça et qu'on apprend à apprécier, etc. Bah franchement, Nas et ta petite femme et ta petite famille, vous êtes. Vous savez à quel point vous êtes dans notre cœur aujourd'hui des. 13 euros, exact. Bah maintenant, depuis bah, plus de 10 ans en fait. Plus de 10 ans. Et c'est ça qui est beau. Apparemment, ça rigole, je sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est l'histoire de la vie. Fab, ah. Eh ben Fab, là, merci faire, du Canada. Rappelle, Volgarina, you are amazing. Voilà, on fait un stream d'un stream d'un stream. Ça, c'est la première chose. Ça, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on voudrait voir le Nintendo Direct, mais le pré-show, il est trop long, en fait. Je trouve que ce qu'on fait ouais, tout bah, ça. En fait, il fait une heure de pré-show. Ouais, là, c'est. Et bah, c'est. Et il reste 30 minutes, là. Vraiment. Gilbert. Ouais, je vois ça. Voilà, au secours. I am Barbe Blanche, mais c'est divertissant. Ah, t'as jamais fait un pré-show c'est fun. Jus, eh bien, j'ai jamais fait un pré-show carreau jus. Non, je. Non. Chose, globalement, j'attends quand même que le show commence. Quoi. Tu vois ce que je veux dire généralement, parce que dans ce cas-là, est-ce que dans ce cas-là, un livre, n'importe quel film, même le plus pointu, psychologique, etc., reste du divertissement. Tout ce qu'on fait qui n'est pas du travail est donc qualifiable de divertissement. Et donc si pour toi divertissement égale fun, de, non, je trouve qu'on peut se divertir de manière pas fun. Tu vois ce que je veux dire ? Fun pour moi. En ouais, j'ai arrêté là, j'ai regardé autre chose. Ouais, il a raison. Ça démarre. Ouais, rien. Voilà. Il y a rien là. Que je vois les vaches, en tout cas, c'est ma perception même du mot. Hein. Là, on fait de la sémantique. Hein. Ouais. Sepsol avec ce petit Shiba Inu qui donne tellement envie de repartir au Japon, mais c'est pas pour demain la veille. J'ai l'impression, malheureusement. Aurélien, je suis tes émissions tout le temps, Julien, et j'adore ton travail, t'y mets vraiment du cœur. Ah, ça, c'est sûr. J'y mets du cœur, j'y mets de l'énergie, ah, j'y mets de l'envie. Il met du cœur. L'envie d'avoir envie, je fais tout ce que je peux, en tout cas, pour que ce soit chouette. Mais alors, vous savez quoi, heures, justement. Oui, c'est ça. Juste exactement. Vous allez chatter un petit peu ensemble. Moi, je vais vous laisser dans le chat pendant quelques instants, juste que j'aille checker, parce que j'ai un œil. On a une petite caméra et tout, je peux voir bébé. Je vais juste lui faire... un petit coucou parce que je vérifie avec Carole. Carlo Pitz, pas toujours d'accord avec tout, mais le travail, l'investissement se récompense. Tu sais, je donne mon avis au quotidien depuis près de 25 ans. Donc évidemment qu'on ne sera pas toujours d'accord. Et j'ai envie de te dire, tant mieux, c'est pas ce que je cherche. Voilà, j'arrive. Ah, il quitte le live là. Oula. Donc là, en fait, ça change. Ça. Il n'y a plus personne. Ouais, il est en mode automatique, pilote automatique, et là il va gagner des... Est-ce qu'il va avoir des dons pendant ce pilote automatique? Ah ouais, ça c'est intéressant ça. C'est intéressant. Il a eu des subs, mais là pendant ce temps-là, je sais pas trop. 5000 spectateurs. Alors normalement Attends, je vais regarder le... Normalement ça doit être 18... Ouais, c'est 19h le Nintendo Direct en fait, c'est ça. Attends, je regarde le live de Nintendo. Ils disent que ça a commencé depuis 4 minutes. Non, c'est 18h30 normalement le live de Nintendo. Il a déjà commencé le live. Eh ben pour l'instant non, mais ça fait 4 minutes qu'il aurait dû commencer, tout à fait. Attends, donc tu es en train de dire que là il est parti, mais c'était prévu quoi qu'il parte. Ben là, ouais, il va revenir sais. Quand Nintendo va commencer. Tout à fait, certainement, je sais pas. Tout, quoi. Ah voilà, 2 secondes. Hop, Julien Chies qui revient pour dire 2 secondes. Et donc là, il va revenir exactement pile au moment où le Nintendo Direct va commencer. Non mais là, il calcule trop là. Il a pas eu de sub et de... Non. Oh,
quand la vidéo partira en... partir en privé, hein. Je suis désolé, mais... Ah, pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a eu des moments borderline. Je sais pas, parce que sur YouTube, je sais pas si on peut éditer aussi... Ouais, je sais. Ah oui! Je sais pas si on peut faire ça. En plus, maintenant, il faut faire attention lorsqu'il y a une musique qui s'enclenche et tout. Ouais. Il y a des droits d'auteur. Ah putain, Ribéry joue à la Fiorentina. Tout à fait. Il joue bien, apparemment. Oui. Il a 38 ans, non? Ouais, il commence à être vieux, quand même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le PSG, il y a eu le tirage au sort, le PSG est tombé sur l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions, donc ça c'est bien. Pour ceux qui sont fans du foot, hein, bon. Ouais, mais donc la Ligue des Champions continue, quoi, elle n'a pas été annulée. Tout à fait, elle va se passer sur une semaine, début août, je ne sais plus trop les dates. Mais ça va se faire sur une semaine, donc il y aura les quarts, les demi et la finale. Ah, c'est bien, plutôt que d'aller faire un Qatar Cup, ils font une Ligue. Voilà. Et ce sera pas de l'aller-retour, hein, c'est un match. Un match, ah oui. Un quart, une finale. Ça se passe dans un autre pays, quoi. Oui, tout à fait. Ça va être des terrains neutres, je crois. Rebonjour, vous allez bien? Bon, alors... Il est où, Julien? Il est de retour, voilà. Ah, il est au four et au moulin, parce que c'est pas simple. Ouais. Et Zidane, il est revenu au Real et il est en train de gagner le championnat. Donc, aussi. Paul Levrard qui nous dit... Il va le gagner, normalement. Bah oui, on attend tous. Hein. C'est vrai que ça va pas tarder, il y a beaucoup d'informations. Bah, ça a l'air, hein. C'est quand même difficile de dire que c'est pas un grand entraîneur, quoi. Le mec qui revient alors que le Real était mal... 23 et boum, la première année bien, où il a gagné y aura champion, la réponse de l'Xbox qu'on attend quand même. Ouais, c'est voilà, par exemple. Avec les exclusivités, c'est quand même le moment le plus important dans la communication de la part de Nintendo. Fois, et puis, ouais. La rumeur voudrait que Sony relance. Ça commence à être difficile. Après, la machine avec encore d'autres news. Ouais, mais ça, on dit toujours ça. Hein. C'est un peu embêtant. Alors que tous les entraîneurs de grands clubs, ils ont tous des grands joueurs. Donc bah, écoutez, ça va être très cool. Ouais. Voilà. Et elle est. Non, là, cette saison, en fait, la saison dernière, elle avait été virée, Zidane, pour mauvais résultat. Bonsoir, Julien. Est-ce que tu penses que donc, ils ont pris un autre entraîneur qui a eu des mauvais résultats. Donc, cette saison. Le type a eu encore des mauvais résultats, donc ils l'ont viré et ils ont repris Zidane. Il a pas fait une année mauvaise, il a eu quelques mois mauvais et on l'a viré. Malheureusement, je peux rien dire. Mais je peux juste te dire qu'a priori, tu vas pas trop te tromper. Bastien Tribala. Exactement. Allez, mon setup, regardez, avec finalement, le successeur était mauvais, donc Zidane a été repris cette saison. Confirme, Bastien, toi qui fais de l'image, etc., tu devrais savoir quand même qu'il faut éclairer. Tout à fait, c'est ça. Mais avec un meilleur succès pour Zidane, quand même. Juste pour parce que là, en fait, il a repris une équipe qui était mal, et le Real va gagner le championnat en fin de saison. Là. Donc c'est quand même fort. Star Gaming, allez, on se met bien avec le copain Julien Chies pour le Treehouse. Et bah top, et je vois du PlayStation VR, donc tous les environnements et les univers sont ici représentés. Sonian, qui nous fait avec les récents teasings de WayForward. Mais normalement, ça devrait commencer, normalement c'est 18h30. Ah, Shantae, j'aime beaucoup Shantae, hein, je permets de le signaler, c'est une série que j'aime bien. Et bien écoute, il y a le nouveau Shantae qui est sorti là en 2020. Dans peu de temps. Le coin des modélistes. Peut-être un jour je le ferai, je sais pas. En train de bosser sur une statue, de Link's Awakening, extrêmement mignon, fait à la mano. Quelle classe, franchement. Regardez ce petit Link qui est fait là, tout peint avec ses petits éléments et tout. Ça, c'est très très chouette. Hop, je te mets le petit like, évidemment. Alors, Revalgis, un Quackshot Remaster serait aussi... Alors que normalement, ça commençait à 18h30. Moi, j'ai une petite préférence. Ouais, là, on parle de vieux jeu, mais pour DuckTales, ouais, voilà. Très clairement. Ouais. Franck qui dit, lundi, Sony annonce une date de sortie de ses deux consoles et le prix. Alors, oui, il s'en fout, il a eu ses subs, il a eu ses dons. Okay, plusieurs fois. Moi, j'ai eu des bruits de couloir sur le fait que certaines grosses enseignes nationales, eh bien, on leur disait de commencer à se préparer à potentiellement quelque chose à la mi-juillet,
Donc lundi, on est le 13, peut-être un petit peu tôt, mais c'est à peu près à cette période-là. Quoi, on verra. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien du tout d'officiel. Hein. Fabien J. Hello, petite question. Je rêve de jouer à Forza Horizon, mais je n'ai ni Xbox, ni PC. À ton avis, est-ce qu'il y aura un Horizon non. 5 sur Series X? Non, moi, j'aime pas la paresse, la paresse intellectuelle. Alors, niveau gameplay, c'est bien. La Xbox Series X. Ah oui, c'est un jeu contemplatif. Donc, la génération d'avant. Donc, si tu prends une Xbox Series X, non, il n'y a pas de challenge, mais c'est... Ça marchera. Tu utilises l'interaction d'un jeu vidéo pour ressentir des émotions. Voilà. Forza Horizon et les Forza Motorsport. Ah, donc, non, ouais, mais en tout cas, c'est réussi dans le jeu. Il pourrait d'ailleurs être annoncé dès le 23 juillet, à mon avis. À suivre. Regardez sur Twitter, Zone Player, toujours présent, même au travail, souvent déçu des conférences, mais pas de l'ambiance de ta part pour le show. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, je rappelle un petit peu pour ceux qui arrivent, parce que vous êtes 5000 maintenant, et ça commence dans combien de temps? Tiens, dites-moi. Bah oui, normalement. Est-ce qu'il y a une petite musique d'attente? Je vérifie. Mais j'ai pas l'impression. Non, ouais, en tout cas, 11 ça, minutes. C'est direct, c'est pré-lancé. Et il est 18. C'est dans 20 minutes. Voilà, dans 20 minutes, ça commence. Ah, c'est dans 20 minutes que ça commence. Pardon, effectivement. Donc c'est bien une heure de pré-show. Rien du tout. Voilà. On se mettra comment? On se mettra comme ça. Là. En plein pot. Vous aurez tout joli, tout propre. Oh là. Vous verrez tout, histoire de ne rien manquer. Et donc, je rappelle que ça va parler essentiellement Inception. De deux choses. Inception. Nous allons voir du gameplay inédit de Paper Mario Origami King. Ah oui. Et nous devrions voir aussi un jeu, l'annonce d'un jeu totalement inédit sur la Nintendo Switch. J'hésitais parce qu'en même temps, je suis en train de taper un truc sur Nintendo France. Parce que ce que je vais faire, c'est que... Il a eu un don de 10 euros. Hein. Petite bande-annonce. C'est 5, exact. Se mettre dans le bain de Origami King. Qu'est-ce que vous là, en pensez total, quoi, hein il a c'est pas mal, ça, Origami. Oh, pas mal, là, je pense. À savoir que Google prend un pourcentage sur les dons. Oui, effectivement. Regardez, Princess Peach's où est-ce que ça se passe? Oh là, Princess Peach Castle, ça y est, ça commence. Donc ça, c'est Paper Mario Origami King. Hein. Sachant que Color Splash sur Wii U était excellent. D'accord. Je suis un vrai fan de Paper Mario. Est-ce que tu as fait l'épisode 64? Non, malheureusement. Il est très bien. Et là, j'essaie de terminer très laborieusement Sticker Star sur 3DS. Est-ce qu'il te plaît pas trop? Paper Mario, The Origami King. Voilà. Bah, en tout cas, d'accord. C'est vraiment dans la pure tradition des Paper Mario, donc ce côté vraiment petit papier, voilà, qui va se retourner gaiement comme ça. Moi, je trouve ça très joli. Hein, ça. Regardez, des petits dojos. Japonais, des égouts très lumineux, etc. Alors, c'est sûr aussi que la Nintendo Switch, qui n'a pas la puissance, évidemment, de ses concurrentes, hein, bah, ça sort plutôt bien ici. On voit qu'on a aussi des bras extrêmement extensibles, là, un petit peu comme dans ARMS, qui vont nous permettre de faire des choses complètement dingues, et qu'on va jouer, évidemment, avec le côté origami, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, donc se plier dans tous les sens et autres. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est dans cette bande-annonce-là... Ils font un jeu original, effectivement, c'est cool, parce qu'ils avaient fait ça sur 3DS, il me semble. Donc, ah non, c'était un Mario et Luigi, pardon. Un petit peu plus tard. Ils l'avaient fait en remake. Je vais nous le mettre ici, remakes, moi, comme ça, plus, hein. Pas de raison. Switch, des alliés inattendus. De Marle Cornu, donc, c'est vrai, j'ai que ces jeux. Des petits compagnons. La sœur du roi Oli. Donc là, on assiste au 12e trailer hein, de Paper Mario. Bon, on a compris. On a vu la config et la pièce privée de Caro. Vas-tu nous montrer la tienne ou alors c'est officiel. Alors, à savoir, la série des Paper Mario, c'est plutôt une série humoristique. On a un Mario, on a un scénario avec de l'humour. Ma pièce, sinon, elle est beaucoup plus sympathique. C'est surtout Caro qui fait ça. J'ai quelques petits collectors, mais j'en ai pas tant que ça. Moi, je collectionne beaucoup moins. Voilà, donc peut-être que je le ferai un jour. Paper mais... Mario, hein, c'est du papier, tout peut-être est... Bah alors en vrai, j'adore la déco, les décors sont mais c'est juste que j'ai pas le temps du tout. Et surtout, j'aime beaucoup la déco, mais
C'est pour moi jusqu'à maintenant le pièces, meilleur le salon, Paper Mario etc., que j'ai fait. Une ambiance. Et c'est pas du tout des ambiances jeux vidéo d'ailleurs. Moi je. Enfin, il y avait Mario et Luigi, Paper Mario. À mettre plein de figurines partout. Ah ouais, c'est, moi le crossover, je trouve qu'il est pas si réussi en fait. Pour moi, il est génial voilà. Parce que t'as des attaques spéciales. Ouais. Et qui t'oblige à te servir de la 3D aussi. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera et ce sera une bonne surprise dans ce cas-là. Ouais, moi je me suis. J'ai bien aimé, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Tout à fait. Exactement. Quoique, et chez sur le podium, Nintendo en... Julia, enfin, que je suis en compagnie de Julien, merci à toi pour cette Super compagnie. Paper eh bien, Mario merci de la Wii. Jérémy Picard, bisous de la Réunion. Ah, parce que et le Paper Mario de la GameCube, il était énorme quand même. Ah, Zone Player, GameCube, toujours 4, présent, même ouais. Au travail, souvent déçu. Ah, bah, on l'a déjà vu. La porte millénaire, très très bien. Jeu Xbox, a priori. Hein. Au travail, tous tes jeux Xbox ils sont prêts. En fait, moi, les Paper Mario que je connais, c'est les deux premiers, c'est tout. Tu seras sur le live de Ubisoft, oui, bien sûr, dimanche soir. On vivra le Ubisoft Forward tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. C'est dingue parce qu'en fait, c'est Julien Chiez, il ne fait que parler quoi. Et on... Il regarde même pas les vidéos en fait. Si la VR se démocratise dans l'avenir, il sera possible de poursuivre et vivre avec la même intensité des jeux. Parce que nous, on parle de Paper. Bah oui, c'est clair. Il parle même pas de Paper Mario. C'est quoi ça? Il parle de la VR. Non mais. Pour amener du fric. La réalité. C'est quand même une capacité d'immersion qui est phénoménale. Donc aujourd'hui, évidemment, graphiquement, on n'est pas au niveau oui, des jeux. Voilà, ils mangent son pain là. Mais demain, on va s'en rapprocher de plus en plus. Et quand la réalité virtuelle, en plus, va devenir beaucoup plus fine, des petites lunettes, etc. En fait, Julien, il est comme pareil, un, comme la, les le mecs gain métro, d'immersion quoi, va être complètement transcendé, véritablement. Mais ça vient en et ça va être très très important. Ensuite, je pense que la réalité virtuelle, pendant très longtemps, voire peut-être même toujours, va cohabiter aussi avec une certaine autre Mario. Manière de faire du jeu vidéo. C'est exactement comme dire que lorsque le cinéma est arrivé, il n'y a plus de livres. Dicker. Ouais, je suis là. Quand il y a eu la télé... Alors, Paper Mario. Non, les choses sont complémentaires. Moi, j'ai fait celui sur le Super, là, sur Wii. Et celui sur GameCube, j'ai terminé cette année. Ah, oula. Ouais, j'ai eu du retard, mais je l'ai terminé. Totalement. Ah oui. Julien il est bien, mais il est un peu lourdingue, mais il est bien. Moi, à l'époque, je l'avais, à l'époque, je l'avais adoré. Ouais. C'est un rock strip. Mais ouais, c'est un Mario de la Wii, c'est l'un des meilleurs. Bah, en fait, moi, je suis... le monde électronique, là. Le monde, ouais. Dans la Wii, je n'active pas ça. La lumière, là, on est en discothèque sur un PC et tout. Je trouve ça très rigolo, mais c'est moins mon truc. Voilà. Eyes of Ghost. Mais en fait, moi, je suis presque. À l'époque, moi, je me suis presque en train de me dire que j'ai préféré le Paper Mario de la 64. Il y a un PlayStation VR, il y a une Nintendo. Le premier, il était vraiment très très bien. J'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, je me rapproche parce que c'est tout petit. Surtout que j'imagine qu'il y a toutes les consoles. Voilà. Mais le deuxième est vraiment marrant. Il y a, à un moment, il y a même une phase d'infiltration. Enfin, c'est et une enquête aussi, je sais plus quoi. Enfin, c'était drôle quand même. Deux jeux à. J'ai pas vu. Des packs de jeux avec des figurines, avec des jeux démat. Ça se fait de plus en plus. Attends, mais c'est fini, donc plus le dématérialisé va. Non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien, je comprends pas. Je comprends rien. Ah oui, là on montrait une ancienne vidéo, un ancien trailer de Paper Mario, d'accord. Pour ça, pour les passionnés qui sont prêts à mettre. Ok, j'avais pas compris. Avoir un truc physique. Donc, à mon avis, ça, c'est pas prêt de disparaître. Et j'ai vu Coco Cédric qui est là aussi, Cédric Coco toujours présent. Eh bien, écoute, merci d'être là. Thibaut V, salut Julien, penses-tu qu'on va voir du AC, Assassin's Creed ou Animal Crossing, probablement plus dans l'univers de Nintendo ce soir? Non, je ne pense pas. Non, non, là il va avoir du Paper Mario et un jeu. Non, non, dans 10 minutes. C'est trop. Animal Crossing, on le connaît. Voilà. Voilà, Cédric Coco. Coucou à toi. J'espère que tout va bien pour toi et ta petite famille. Titi, tu aimerais quoi comme quoi, comme jeu de la part de WayForward qui doit être annoncé? Bah, tu sais quoi, justement, comme. J'ai pas envie de me monter le bourrichon trop là pour ce Treehouse. Ah ouais, mais là c'est dans 10 minutes. On va pas jouer à Bipet pendant 10 minutes. Ils ont dit que ce serait une licence qui appartient à un éditeur tiers. Donc, a priori, une belle licence. J'ai envie de dormir, là. Donc, a priori, un jeu qui peut être très cool. Écoute, on verra ça. Il est fort, ce jeu. Gaëtan Morel, j'aime. Oui, il est là, il est là. Mais ce qui m'inquiète est le côté très excluant de l'expérience vidéoludique, trop personnel. Alors,
Je suis d'accord avec toi. Mais plus ça va se répandre, alors, plus on va pouvoir jouer avec des avatars. Et d'autres personnes pourront du coup nous rejoindre. Donc potentiellement, c'est quelque chose qui, à terme, pourra... Ah, donc en don, il est à 10 plus 5 plus 5, là. En tout cas, je l'espère. Allez, je vais juste refaire un petit check, évidemment. Et en attendant, eh bien, je vous laisse avec ces quelques images. J'arrive dans 2 minutes. Ah, il nous donne des trucs à manger. Locate your adversary's weak point and tear them to shreds. Throughout this vast world, you'll find poor toads who had their forms altered by the Origami King. Ça ressemble beaucoup à Paper Mario de Wii U. Hein. Ah oui. Ouais, ça ressemble beaucoup sans les pots de peinture. And, yep, you guessed it, a toad. Oula, en fait, maintenant les combats se font en 3D, c'est ça? Faut utiliser. Parce qu'avant, dans Paper Mario, c'était sur un plan. Ça coule. Eh bien, on va en savoir plus d'ici quelques instants, quelques minutes. Voilà, ça va être très chouette. J'en doute pas. Les deux premiers Paper Mario, les phases de combat se faisaient sur un plan. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai aussi. Qu'on a un besoin d'information de la part de Nintendo. Parce que Xbox, il n'y a pas de problème, il y a eu beaucoup de communication. Et voilà. Ça va tranquille. J'ai Siri qui commence à me parler. Ça va pas. Je supporte pas ces trucs. On m'a demandé de l'activer pour le GPS en voiture. Je vais le couper, mais direct. Je trouve que je supporte pas. Voilà, désactiver Siri. Merci beaucoup. Donc Xbox, voilà, ils vont avoir un gros temps de communication encore. Il a gagné. Il a gagné 10... C'est Suisse, ça, les francs suisses. Sony a beaucoup. 10 francs suisses. Bon, par contre, Nintendo... Mais alors, dans le même temps... Exact. Cartonne avec la Nintendo Switch, a pu savoir qu'en faire. Ça, il n'y a aucun problème. Il y a combien de ventes, là, maintenant, sur Switch? De console Switch, pardon. On est à plus de 50 millions là, ils étaient à 50 millions à un moment. Généralement, c'est des roupies, des tout ce que tu veux, mon ami. Ouais, c'est lui, les chiffres. C'est Monsieur Chiffre. Donc, à la fois, je peux les comprendre. Adam Studio, coucou Julien, j'espère que tu vas bien. En passant, penses-tu que lors du live de Xbox, nous pourrons voir des images du. Non, mais là, c'est dans 5 minutes. Skate, où t'es-tu intéressé? Où es-tu intéressé sur ce jeu? Où t'es-tu intéressé sur ce jeu? Enfin, est-ce que ça m'adresse, quoi, en gros? Je ne suis pas le plus grand skater de tous les temps, je pense que vous le savez. Aïe. Mais en tout cas, j'ai vu l'engouement de nombreux joueurs, et donc moi, ça me fait plaisir pour les gens qui attendent ça. Bon, par contre, j'étais un peu frustré quand même. L'annonce, il n'y a même pas une image, même pas un artwork, rien. Je trouvais ça un petit peu limité. Alors, est-ce que il y aura quelque chose du côté de Xbox? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Peut-être. J'espère. DJ, Marcel, Zocom, Carole a mis ce soir l'événement d'Ubisoft. Elle s'est trompée. Non, pas du tout. En fait, Carole va faire ce qu'elle appelle un blabla game. C'est-à-dire que vous allez discuter sur sa chaîne avec elle, débattre sur qu'est-ce qu'il faut attendre de cet événement. Voilà, c'est tout. Mais par contre, l'événement lui-même, oui, c'est dimanche. Et ce sera encore au jeu. Mais ce sera ici, sur ma chaîne. Ah, mais j'ai un écran noir aussi sur Bipad. Ouais, mais ça arrive après une minute. Avec Carole, évidemment. Oh là. Et avec nombre d'entre vous, j'imagine. Enfin, Franck. Next, le Tencent Game Studio. Sur PS5. C'est vrai que c'est une série qui Bipède. N'est plus présente depuis un petit bout de temps et qui pourrait peut-être un jour revenir. Mais pareil, je n'ai pas d'informations très précises sur ce sujet-là. Nintendo Gamer FR. Salut Julien, comment ça va? Bah écoute, pas mal, et toi? Toi et Carole étaient géniaux avec dans la vidéo du joueur du grenier. Comment trouves-tu le nouveau Paper Mario? Bah, merci déjà. Et bah, il a l'air très sympathique, franchement. Mais j'ai hâte maintenant d'en voir plus, d'y jouer, pour vous donner mon avis, etc. Oula, la cutscene de ouf de Bipède. On va découvrir tout ça ensemble. Mais belle planète Terre. La réale est magnifique. Moi, j'adore ce côté... En fait, je trouve... Moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est sa diversité. Je pourrais pas jouer à ça tous les jours. Genre, tous les jours de ma vie, en fait, jouer à ça. J'ai besoin qu'on raconte aussi des histoires. Je pourrais pas jouer à The Last of Us tous les jours. Pendant 30 ans. Au moment, c'est un peu déprimant aussi. Quoi. Cette cutscene de ouf. Ils ont mis tout l'argent sur la cutscene de départ. Du jeu vidéo. Le côté très coloré,
et festif qu'apporte Nintendo. Voilà, on parlait de fun. Chez Nintendo, il est clairement présent. Mais j'ai aussi besoin qu'on me raconte des histoires. Ah, mais on peut tout de suite commencer la coop. Et de Sony, de tout le monde. Sinon, c'est moins drôle. Voilà. Freeze up. Salut Julien, penses-tu à une annonce de Call of Duty Black Ops Cold War ce mois-ci, cette année, Activision attend trop. Ça devient long, là. Eh ben oui, c'est la plus longue période entre la sortie d'un Call of Duty, l'année dernière, et l'annonce d'un nouveau Call of Duty. C'est complètement ouf. Effectivement, c'est une grande première. C'est inédit. C'est complètement inédit, mais une fois de plus, j'en ai déjà parlé, mais est-ce que c'est parce qu'ils attendent un événement qui est prévu, par exemple une conférence de constructeurs, peut-être chez Xbox? Est-ce que c'est parce que ils sont en retard à cause du Covid? On ne sait pas. Ah d'accord, c'est quand même Octodad. Probablement plus de chances que ce soit lié à des histoires de deal avec un constructeur. Ah c'est Octodad. Alors, moi j'adore rien avec Octodad. Call of était chez Xbox quand c'était la c'est sympa. Sur la génération One, PS4. Et I Am Bread aussi, c'est un peu le délire. Est-ce que Call of va repartir du côté de Xbox? Ah, c'est possible. Oh là là. Ce sera un joli coup. Et donc, je savais pas que c'était ça, moi. D'habitude, c'est annoncé à l'E3. L'E3, c'était. Enfin, ça aurait été il y a un mois hein, déjà, quasiment, à la mi-juin. Ah, attends, mais qu'est-ce qui se passe? On n'aurait pas eu ces mêmes débats-là. Donc, si c'est chez Xbox, bah, ça, tout ayant été décalé, je trouve que ça a un petit peu de sens. On verra. Lucas Van der Vodel. Coucou Julien, as-tu des nouvelles du développement en cours de la Switch Pro? Tu fais vraiment un truc de fou avec Carole. Oh là 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 là, oh, c'est dur. Merci beaucoup. C'est... Moi, la Switch Pro, on en a parlé depuis. Maintenant, ça fait un an et demi, deux ans, etc. Enfin, c'est interminable cette histoire. Ah ouais, en plus, il y a l'escalier là. Putain, avec l'escalier, c'est dur. Les prototypes qui ont été envoyés. Allez! Mais tu vas monter la marche, oui! Bref. Il y a eu plein de choses, mais... Ah, oh là, oh, attendez, oh là, attendez, on parle, mais... Starting soon. Alors, vous savez quoi? Ah, ça y est, ça commence le Nintendo Direct. Starting soon. Et je vais dégainer. Allez, mais pourquoi j'arrive pas? Julien Chies qui dégaine une chaise, c'est beau. Le mec saute au van. Ah ouais? Hop là. Et donc, on va découvrir ça dans très peu de temps, ensemble. Mais pourquoi j'arrive pas à... Ah ouais, mais parce qu'en fait, j'ai déjà un problème avec ma manette. Ah bah oui, évidemment. J'ai un problème avec ma manette. Bon voilà, mais je ne suis qu'une voix pour l'instant. La voix de l'avenir. Je vois. Allez, j'y suis arrivé. Dommage. Mario, je vois un jeu. Je vois un jeu avec du papier. Je vois. Attention. Et là, bim, vous me voyez aussi. C'est merveilleux. Hop là. Tac. Est-ce qu'on aura droit à du Zelda Breath of the Wild? Nous demande l'atelier geek. J'aimerais tellement. Je crois pas. Pas aujourd'hui. Mais vivement. J'en peux plus d'attendre là, vous êtes d'adresse au bout. Ah! C'est super dur, parce que j'ai un problème avec ma manette. J'ai tellement aimé le premier que j'attends la suite avec une impatience absolument non dissimulée. Alors vous savez quoi, je vais diminuer un tout petit peu ceci. Voilà. Mais pourquoi ça marche pas? Voilà, je vais juste vérifier. T'es sûr que c'est qu'avec ta manette que t'as un problème? Ouais, oui, c'est ma manette. C'est. Il faut que j'attends une mise à jour. Attendez deux secondes. C'est quoi comme manette? C'est la manette avec les Joy-Con. Là. Alors, là comme ça, on est bien en immersion là, avec le fond vert. C'est quand même bien. Tu veux la Switch là? Starting ouais. Soon. Eh bien oui, ça va commencer dans très peu de temps a priori. Il n'y a pas de mise à jour, il est défectueuse. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est le moment. Voilà, c'est le train là. Oh là. Allez. Ça, on n'entend plus que des KR là. Un jeu non annoncé. Donc, on va découvrir tout cela ensemble.
La, 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 en fait, ah voilà, j'ai réussi. C'est parti. Voilà, donc elle précise que c'est leur première fois pour un Treehouse en direct. C'est une place. Je coupe. Et bien, va nous donner des informations supplémentaires. Okay. Voilà, et donc ça, alors... c'est dans un premier temps Paper Mario, et dans un deuxième temps, un jeu très excitant qui va être présenté. Hop. Donc, d'abord, on va commencer avec une petite présentation du jeu. Allez, c'est parti, on regarde. Cool. All right. Let's get alors. Started, everybody. We are seeing Mario and Luigi. Ah, ça y est, ça commence le live. Non, mais en fait, donc on arrive à Toad Town, du Toad. Donc on a été invité par la princesse Peach. Mais visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je regarde pas trop, parce que ça spoil Paper Mario. Franchement. Donc on arrive dans le château de la princesse Peach, évidemment. Les portes s'ouvrent. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air d'être en pleine forme. Oh putain, je glisse. C'est un ami assez... Poussé à fond. Ah oui, non, j'ai pas compris. Donc effectivement, regardez, Mario, lui, évidemment, il est en 2D, mais il est pas en origami, alors que la princesse, elle a été origamifiée. Oh, ouais. Elle ne semble pas dans son état normal, si vous voulez mon petit ami. Emballé. Oui, c'est pas elle, tout simplement. Ah, ça s'est ouvert. Et donc on tombe. Attrapé. Pourquoi il met rond ? Donc là, on arrive dans les donjons, et alors vous voyez, fonctionnalité de ces grandes mains qui permettent en fait d'interagir avec le décor, et là en l'occurrence de supprimer carrément. Ah oui, d'accord, faux. Et donc voici le partenaire de Mario pour toute l'aventure qui s'appelle Olivia. Petite musique complètement trépidante, évidemment. Regardez. Ah d'accord. Et là... Est-ce que c'est Bowser qui lui aussi s'est fait origamifier ? Ah effectivement, mais alors il n'est plus que l'ombre de lui-même. Après. Ok, donc Olivia, Mario et Bowser. Et donc ils vont. Putain, qu'est-ce que c'est dur de marcher ? Alors attention, il se transforme en quoi ? Qui est-ce ? Espèce de méchant à la mèche. Non, salut. Ah là, on peut glisser, d'accord. Le roi origami, le fameux. Quelle histoire incroyable. Là, ça met aux oubliettes tout ce que vous connaissez en termes de narration et de scénario. Par contre, je trouve que le style visuel est absolument... Ouais, c'est ça qui est dommage. Séduisant. Voilà, donc, c'est le moment bien, la glisse. Est carrément déchiré. Ça, c'est le moment du bon du jeu, quoi. Petit, truc qui vole, la petite soucoupe, là. Voilà, et donc, le château est posé sur le sommet d'une montagne. Ah non, allez, j'avais réussi, là. Le décor, là-bas, c'est déchiré. Ouais, j'ai un checkpoint après le danger, bien. Avec du grillage en fait. Ah, c'est charmant. Ouh ouais. Ah, je voulais glisser là. Triste. Et évidemment, on retrouve tous les sons. Checkpoint clear. Checkpoint clear. Gone through the world and torn these terrible holes in it, and you'll see, I think Ethan did a bit earlier, he's collecting little scraps of confetti so that he can fill in these holes and hopefully rebuild this. Donc en fait, en récupérant toutes ces confettis, toutes ces choses là dans les fleurs, on va pouvoir refermer les trous
voilà, qui ont été créés. Regardez, ça me fait penser un peu à Tearaway, vous vous souvenez, sur PS Vita en l'occurrence. Voilà, et ce petit son des petites pièces, ça fait plaisir. Ouais, moi aussi. Mais non, c'est un Octodad, un I Am Bread. Ouais, mais en fait, Octodad c'était cool quand même. Moi j'aimais bien. Là, vous voyez un espèce de grand filet rouge, là, de ruban rouge. Et en fait, ça fait partie des grands rubans qu'on avait vus entourer le château de la Princesse Peach tout à l'heure. Donc ça va avoir son importance. J'arrive même plus à. Ah, d'accord, j'arrive à pied avec la patte droite, c'est bon. Bon, bah on fait la coop. Ah, là, je sais pas, là, j'ai pas fini le didacticiel. Donc là, on va parler du système de combat. Ah là 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 là, je suis tombé. Et donc, il y a un anneau où, vous voyez, on peut le faire bouger pour pouvoir, effectivement, les mettre là, les tous les aligner. Mais c'est dur, hein. Mais c'est super dur, okay, en fait. Intéressant. En fait, ils sont, au début, ils sont disséminés comme ça sur le cercle. Et en fait, en les alignant, vous allez pouvoir enchaîner les coups et donc les combos. Allez ! C'est assez original. Faut voir l'usage sur le long terme, mais... Alors ça, c'est bizarre, ouais, parce que normalement, ouais, sur PC, elle était online, je pense. Et oui, effectivement, il y a plus de points d'expérience. Dans les combats, on met des points de dégâts, mais on ne progresse pas de niveau. En tout cas, c'est pas géré comme ça. Alors, est-ce qu'on va rester à 50 points de HP tout le long du jeu, ou automatiquement, il nous fait monter? Putain. Bah, on va regarder. On va peut-être avoir des infos. Formation sur... Bon, bah, je ferai le mode solo, quoi. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas vu ça sur Switch, merde. Attends, je vais regarder sur l'eShop. On a acheté sans regarder, quoi. Ok, donc plus on récupère des confettis, il y a un changement de couleur aussi qui s'opère pour bien le signifier. Et comme ça, bah, vous allez pouvoir progresser, ouais, et reboucher le monde de manière de plus en plus. Merde, efficace. On va regarder. Donc là, on va voir un nouveau combat, un nouveau cas de figure. Là, vous voyez, ils sont bien séparés. Là, il y en a qui sont alignés, mais sur trois zones. Est-ce qu'on va pouvoir les assembler quand ils sont les deux sur une même ligne? Comment ça se passe? Mais allez, mais... Oh là là, mais c'est super dur. Ah, vous avez vu, on peut faire avancer un peu les lignes. Donc on va peut-être pouvoir les repousser. Okay. Allez, là, mais allez. Putain, mais c'est super dur. Ah, j'y arrive pas. Ok, et donc là il a fait une formation 2-2. Et donc s'il fait une attaque mêlée de masse comme ça, qui donc une attaque de zone, il les a eu tous les 4. Donc 2-2 comme ça, ça marche aussi. Ou 4, c'est 4 à chaque fois, mais c'est soit à la queue leu-leu, essayer l'attaque sautée, soit côte-côte, essayer une attaque de zone. Voilà. On commence à comprendre. Ouais, Skyron, c'est assez technique. Hein. Je vois dans le chat que vous êtes nombreux à dire « Ah, c'est pas bien s'ils ont retiré l'XP, etc. » Je vous comprends totalement, mais j'attends quand même de voir un petit peu. Ah, ils ont retiré l'XP dans Paper Mario? Ah ouais, d'accord. Super. Visiblement, il y a une très mauvaise situation. La porte de cette zone, elle ne va s'ouvrir que si on trouve 4 éléments. Ah ouais, j'ai connu les Paper Mario RPG, quoi, en fait. Ouais, t'as connu l'âge d'or. L'âge d'or. L'XP, même dans Color Splash, il n'y avait pas d'XP. Donc, oh putain. On va aller le voir pour essayer de résoudre le problème. Et oui, il y a toujours un problème dans ces jeux. Ah, c'est comme ça qu'on résout les problèmes ici. On tape dessus. Bon, bah là, il y a deux rangées de. Ah, il y avait deux rangées de 4, mais non, ils se sont disséminés. Là, par exemple, celui du fond, là, moi, je le ramènerai dans cette liste-là, comme ça, ça fait des sauts sautés. On va voir comment ils vont se débrouiller. Voilà. Ben, je sais pas comment t'as passé ce passage. Parce que là, je suis allé sur Street of Rage. Ouais. Et en fait, t'as deux catégories, t'as nombre de joueurs et nombre de joueurs en ligne. Oui. Dans Bipad, y a pas la catégorie nombre de joueurs en ligne. Oh merde. Donc,
Alors là, on récupère des pièces. Regardez, ça a un impact. Il y a un timer aussi. On a que 40 secondes pour faire le combat. Donc, mine 2, il faut quand même aller assez vite. Hein. Assez vite. Bon, j'annule le stream. Donc, je pense que les combats sont pensés pour que globalement ce soit pas trop compliqué non plus. Quoi. À mon avis, hein, je dis ça.